Eh bien salut à tous les gamers, c'est Graphic. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part aujourd'hui les amis, ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la Obscure Clan, j'espère que vous êtes prêts à regarder une triple nucléaire réalisée par Frankie en solo les amis. Nous sommes sur la map Combine en domination hardcore. Alors aujourd'hui moi j'ai un petit sujet, mais avant de vous présenter le sujet, nous allons envoyer cette vidéo à Code QG et Code CF. J'espère de tout cœur qu'ils pourront accepter cette vidéo, car aujourd'hui nous allons parler des bugs sur Call of Duty Black Ops 3. Donc il y a un certain nombre de bugs que je vais vous énumérer, dont le plus chiant en premier, qui est celui qu'on appelle le bug des spécialistes. Alors en quoi il consiste? Certainement que vous l'avez déjà rencontré en ligne, car la plupart des gens le rencontrent. Le bug des spécialistes, en fait, c'est quand vous allez être dans une partie et que vous allez vouloir quitter cette partie, vous allez retourner dans l'accueil principal, mais ce qui va se passer c'est que vous allez avoir votre personnage qui va bugger en plein milieu de votre écran, si vous voulez, qui va trembler, qui va faire des choses étranges qui ne sont pas habituelles au jeu. Et par contre, ce qui va être le plus chiant, c'est que vous allez devoir carrément tout quitter, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez plus pouvoir créer de classe, plus aller dans votre caserne, plus pouvoir lancer de partie. Il y aura tout qui va bugger, donc franchement, ça c'est chiant. Également un autre bug, le bug du tremblement lorsque tu ramasses une arme, c'est-à-dire lorsque vous ramassez une arme ou la balle de liaison satellite, voilà un autre exemple. Et bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez attraper l'arme et vous allez trembler, ça va trembler. Donc en soi, ça ne dérange pas trop, mais c'est chiant de voir son arme qui tremble. C'est jamais très agréable et c'est un peu déstabilisant quand ça vous arrive, parce que vous savez pas trop comment gérer la crise. Mais bon, sachez que ça s'enlève au bout de 2-3 secondes, voilà, au bout d'un moment ça s'enlève. Bon, également un bug tout simple mais qui est assez chiant aussi, le 7 joueurs dans une seule équipe, voilà, c'est assez abusé parce qu'au final tu te retrouves contre 7 mecs. Bon à la limite si t'es contre les 7 mecs mais que c'est des gros plots, c'est tout à ton avantage. Mais à l'inverse, voilà, c'est 7 machines contre 6 mecs mauvais, voilà. Donc franchement, déjà le principe qu'il y ait 7 joueurs, c'est assez chiant. Également un bug où tu es face à voilà, je suis en train de m'embrouiller, déjà je m'embrouille tout seul. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en groupe de 6, par exemple, donc t'es avec ta pote, tout se passe bien, et là la partie se lance et tu retrouves ton pote en face de toi. Voilà, ça c'est un des bugs qui fait bien chier. Surtout quand ton pote c'est un mec super balèze qui te tape des records tous les jours. Je te laisse imaginer que tu es bien déçu de l'avoir contre toi. Donc voilà, franchement c'est un petit bug assez étrange quand même. Également ta classe qui peut ne pas s'enregistrer lorsque tu bacs le salon. C'est à dire que lorsque tu vas quitter le salon, que tu vas quitter une partie ou quoi que ce soit, et ta classe, les classes que tu auras créés vont se supprimer, en gros ça va reset à zéro. Donc ça c'est assez chiant parce que tu te retrouves en ligne et tu te retrouves avec les classes par défaut. Ça fait un petit peu chier, je pense que ça vous est certainement arrivé, je pense que ça vous a bien embêté de vous retrouver avec les classes par défaut au lieu d'avoir vos classes. Voilà, vous avez certainement pris du temps à créer vos classes, à faire attention à vos atouts et tout ça, et d'un coup le jeu ne t'a pas respecté, il te retire tout. Et également un bug qui est assez chiant, que là j'ai entendu parler quand je l'écoutais, j'ai un peu halluciné, tu vois, d'entendre que lorsque par exemple quelqu'un, déjà un gros bâtard, tu vois, va détruire le drone que tu t'es fait chier à lancer, il va essayer de le détruire avec son lance-roquette ou voilà quoi que ce soit, toi tu vas arriver pour essayer de tuer le mec avant qu'il détruise le drone, et ce qui va se passer c'est qu'en gros le missile ou la roquette va prendre l'aggro en fait. Si tu veux, je m'explique plus clairement, quand tu vas tirer, tu vas vouloir viser sur le mec en face de toi pour le tuer, et en fait ce qui va se passer c'est que tes balles, tu vas commencer à viser vers le missile et non vers le mec qui a lancé le missile. Donc ça c'est assez chiant parce que imagine que toi t'es en train de vouloir tirer le mec. Le mec pendant ce temps, toi t'es en train de t'occuper de son missile comme un gros tardos, et le mec il va prendre son arme et il va te tuer, il va te détruire, il va te dire non, stop, non. Et voilà, donc franchement je trouve que c'est un peu abusé. Alors également un truc quand même qui est assez, qui arrive assez souvent sur les anciens codes, mais ça c'est faute de connexion. Mais là voilà, tu te fais carrément kick d'une partie, et c'est à dire que tout l'XP que t'auras gagné, tout ce que t'auras pu évoluer, tes armes, tout ça, rien ne sera sauvegardé. Donc voilà, tu te fais kick en plein milieu de la partie, t'es bien content quand ça t'arrive quand tu es en série. Franchement je pense que voilà, cet ensemble de petits bugs, ça serait sympa de nous les réparer pour pouvoir avoir un jeu un minimum correct et qu'on puisse prendre plaisir à y jouer. Et les deux derniers bugs, trois derniers bugs même à la limite que j'ai envie de vous parler, vous avez un bug d'affichage de votre liste d'amis sur Black Ops 3. C'est-à-dire que par exemple, toi tu vas m'avoir comme ami, pardon, tu vas être dans le salon, tu vois, tu vas regarder où est-ce que je suis en train de jouer, et par exemple tu vas me trouver en domination alors que je peux être dans un salon comme toi, même avec toi par exemple, et tu vas me voir en domination, en MME ou en tout ce que tu veux, mais pas vraiment où je suis en fait. Donc c'est un petit bug, au fond ça dérange pas trop, mais c'est toujours utile de savoir où sont tes amis si jamais tu veux les inviter ou les rejoindre, c'est assez chiant. Et donc le dernier bug duquel j'avais envie de vous parler, c'est le bug IU. Alors
ça c'est assez bizarre, assez étrange. Le bug IU, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous êtes en grosse série, vous faites des kill chain et tout ça. Mais ce qui va se passer, vous allez avoir un petit message qui va s'afficher en plein milieu de votre écran. Voilà, plein milieu, hein, tu vois, il pourrait s'afficher à gauche, en bas ou tout, ou quelque chose. Mais non, il s'affiche en plein milieu pour que tu le vois bien et pour qu'il casse bien les steaks. Et bah tu vas pouvoir rien faire, t'auras juste appuyé sur X pour zapper le message. Mais voilà, ça va durer genre 2 secondes ou quoi. Mais quand ça va s'afficher, tu vois, ça prévient pas. C'est du type, tu peux être en face des mecs et là, hop, t'as le message, tu peux plus bouger, donc tu te fais niquer comme ça. Franchement, ça serait super important de le changer. Donc voilà, j'espère en tout cas que je me suis pas trompé dans ce que je vous ai expliqué. J'espère que la vidéo sera acceptée. J'espère en premier lieu qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à vous la commenter. J'espère en tout cas que ça a été de même pour vous à l'écouter. Moi, je dis ciao tout le monde, les amis, et portez-vous bien.